Vettel revient sur Bakou, le fameux incident avec Hamilton. Donc maintenant ils sont amis, mais les relations n'ont pas toujours été aussi chaleureuses entre les deux. En 2017 et 2018, deux batailles pour le titre ont opposé Vettel, pilote Ferrari, et Hamilton, donc pilote Mercedes. Lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, les tensions ont éclaté lorsque Vettel, convaincu qu'Hamilton lui avait fait un break test, s'est placé à côté de la Mercedes et a donné un gros coup de roue juste avant le redémarrage de la course. J'étais très contrarié. C'est un de ces moments où les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. J'étais contrarié. Peut-être que le côté émotionnel a pris le dessus. Mais ce moment était en fait un moment clé. Il aurait pu nous éloigner davantage l'un de l'autre ou nous rapprocher, et il nous a rapprochés. J'ai réfléchi, j'ai pensé à ce qui s'est passé, même si j'ai ressenti sur le moment que ce n'était pas juste, pas correct, et que je voulais lui dire, c'était pas la bonne forme de communication, c'était pas la bonne manière, et ce n'était pas digne d'un sportif. J'ai admis cela par la suite et nous avons parlé l'un à l'autre. Nous sommes parlé l'un et l'autre, et depuis ce moment, nous sommes devenus plus proches l'un et l'autre. Voilà, donc tout est bien qui finit bien au final. C'est magnifique. Bon, voilà, bah écoutez, de toute façon, VT maintenant est plus en F1, donc voilà, leur amitié aura duré un temps, mais bon, maintenant, chacun va vivre sa vie, quoi. Je vous laisse commenter ça.